Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante pour vous montrer comment compléter le Pokédex de Sinnoh. Il est composé de 151 Pokémon, et ce qui est vraiment génial dans cette version, c'est qu'il n'y a pas besoin de les capturer, il suffit simplement de les voir une fois. Du coup, une fois qu'on a réussi à le compléter, on devra retourner voir le professeur Sorbier dans son laboratoire à Littorella pour obtenir le Pokédex national. Généralement, on pourra compléter une bonne partie du Pokédex si vous avez battu tous les dresseurs de la région. Il y a juste Zardy que l'on pourra uniquement trouver capturé dans les ruines de Bonville. Ce sont des petites ruines cachées juste à l'est du village. Autrement, pour Dialga et Palkia, tout dépend de votre version. Et pour que le légendaire opposé soit dans votre Pokédex, il faudra se rendre dans la ville de Celestia et entrer dans la grande maison tout au nord du village. À l'intérieur, on devra parler à la grand-mère de Cynthia pour que le Pokédex enregistre le second Pokémon légendaire. Et aussi pour terminer, il faut savoir que Manaphy n'est pas nécessaire pour que le professeur Sorbier considère le Pokédex comme rempli. D'ailleurs, vous avez jusqu'au 21 février 2022 pour le récupérer gratuitement via le cadeau mystère. Bon et ben, voilà pour tout ce qu'il y a à savoir. Du coup, je vous laisse avec la vidéo pour vous montrer la liste des 151 Pokémon de Sinnoh.